Mais by this time, on va arriver à la vie de la vie. Il y a un petit peu de temps, 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 il y a un petit peu Parmi ces 14 titres, il y a des featuring de taille comme celui avec le frère Mousto. Donc on ne va pas présenter le son, vous savez ce que le son est en train de faire. Et il y a des artistes comme Striker, Takanazayon, il y a le vétéran Totomik Paraya, pour nous qui est d'abord une référence. Et papa, et c'est eux les précurseurs de cette histoire d'artistes de l'intérieur du pays qui se font valoir hors de nos villes. Donc il y a un featuring avec Toto Mick, il y a Takana, il y a Mousto, il y a Striker, il y a Zagaboy, il y a Djeliba qui est le deuxième artiste du label Ampé Fouta qu'on compte produire en 2023. Et en ce qui concerne la production de l'album, comme tu le sais bien, Ampure Fouta, c'est un jeune label qui a décidé il y a quelques années de partir s'installer à l'intérieur du pays. Parce que nous, on a vu que tout se trouve à Conakry, les studios, les producteurs, les réalisateurs, tout est là. Et on s'est dit que la Guinée ne se limite pas qu'à Conakry. Même à Zérékolé ou à Yomo, tu peux avoir des talents qui avoisinent avec ceux qui sont là au top ou voire même les dépasser, mais ils ne vont jamais pouvoir se faire valoir parce que le milieu qui fait l'homme, il n'y a pas les conditions humaines. Donc on est parti au Fouta, non seulement dans le cadre de décentraliser l'industrie musicale et deuxièmement donner aussi de la chance aux artistes locaux, ceux qui sont là-bas, qui ont du talent, mais qui n'ont jamais eu la chance de se faire valoir. Donc, le premier album a été cuisiné à 100% dans le label, parce qu'on a un studio, dont j'ai fait 90% des beats. Et le deuxième album aussi, pareil, on a fait le tout à la baie. Mais vu que, tu sais, dans la technique, on arrive à se démarquer parfois, seul esprit n'est pas compatible pour faire des grandes choses. Il faut beaucoup d'esprit. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de mains dans l'album. C'est vrai, je suis à la base de la composition des beats, mais il y a eu des gars qui ont participé, comme le tonton Sinan Kouji, comme le Comorien, qui est un frère, comme il y a Canavaro Beat, il y a Jiggy. Donc tous ces des frères qui ont contribué positivement à ce qu'on puisse donner un tel produit. Il y a 4 extraits qu'on a lâchés depuis, je crois, le début de l'année. Il y a Lua Lodo qui était le premier extrait. Il y a le featuring avec le frère Mousto. Il
Il y a le featuring avec Kéliba, Souti Comedy, et il y a celui qui est sorti avec Striker. Et après, on compte encore, juste après la dédicace, livrer notre extrait et attendre après la dédicace de l'AB pour officialiser l'album au niveau de toutes les plateformes de télévision. Par rapport à la promotion, sa dernière question. Par rapport à la promotion de l'album, je crois que quand vous voyez autour de la table des personnes comme M. Joe Keta, je crois que ça en dit beaucoup, quoi. Vous savez, on ne va pas jouer aux experts. Nous, on est un jeune label qui cherche à grandir. Donc, ce qui est clair, on mettra tout en œuvre parce que c'est une deuxième expérience. Le premier album, c'était là, on s'est dit, le deuxième, on va le mettre là. L'artiste n'est plus à présenter au public guinéen, donc on va essayer de l'exporter à travers le monde, parce que parfois il y a des commentaires, par exemple je prends sur YouTube, sur les clips, tu vois, il y a beaucoup de commentaires des personnes qui ne sont pas de nationalité guinéenne, mais qui disent je comprends rien à la langue, mais musicalement je kiffe. Donc nous, ça nous pousse à croire que si on continue à persévérer, c'est sûr, avec la bonne stratégie, bien sûr, on pourra vendre l'album et l'artiste hors de nos frontières. C'est ça l'objectif.